déjà fait ça. Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Salut Internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant que la vidéo commence, je vous invite à aller rejoindre la chaîne YouTube Une Vie. Mon ami a fait des vidéos pour vous apprendre à gagner de l'argent rapidement, sans forcément y mettre quoi que ce soit. Et vous allez voir que vous allez être surpris. Donc si vous êtes un peu curieux et que vous voulez gagner un peu d'oseille, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, elle est en description. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur, vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est bon, c'est bon, s'il te plaît. Allez, je sais pas où il est, je sais pas où il est. Oui. Salut Internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale, je suis en compagnie de Sabine qui est avec moi. Sabine, elle a fait appel à nous, tout simplement parce qu'en fait elle est en train de se séparer de son compagnon. Et son compagnon, ben, du coup si elle se sépare, c'est parce que comme elle m'a expliqué, il est assez violent. Et là elle doit y rendre ses affaires, et elle a peur qu'en lui rendant ses affaires, il devienne violent avec elle. Est-ce que pendant que tu étais avec lui, il a déjà levé la main sur toi? Oui, oui. Plusieurs fois? Oui. D'accord. Et aujourd'hui, t'as peur qu'en lui rendant ses affaires, il en... Ah, mais j'en suis sûr. Ok. C'est pour ça, j'ai peur, là, je le sens pas. Et t'as déjà fait appel à la police? Oui, mais à chaque fois, c'est sans suite. On me dit qu'on me fait faire une main courante. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va lui rendre ses affaires. Elle lui a donné rendez-vous dans un endroit comme d'habitude, un endroit qu'ils connaissent tous les deux. Et nous, on va y aller aussi, sauf que nous, on va rester en retrait. On va filmer de loin, en caméra cachée, comment ça va se passer. Sabine aura un micro sur elle pour qu'on puisse entendre ce qu'il lui dit. Et si ça part trop loin et si ça dérape, à ce moment-là, on interviendra et on lui montrera ce que c'est d'être face à un homme. Donc là, voilà, on va aller sur les lieux, on va filmer, on va attendre qu'il arrive. Il ne devrait pas tarder, il devrait arriver d'ici une heure. Donc on va attendre. Quand il va venir, on filmera, on écoutera et selon ce qui se passe, on interviendra. Ça fait beaucoup de choses en A, mais ça vous plaira. Allez, ciao. Ok les amis, donc là on s'est caché. Son ex devrait pas tarder à arriver. Voilà, elle a le sac et tout avec toutes ses affaires dedans. Je lui ai mis un micro pour qu'on puisse tout entendre. Et il devrait vraiment pas tarder, donc on va attendre et on va voir comment ça se passe. Donc dès qu'on voit quelqu'un arriver, on recommence à filmer. Allez, à tout à l'heure. Ok. Sérieux? Ouais, c'est lui, c'est lui. J'espère qu'il n'y aura pas de trucs. C'est moi qui a la peur, tu vois, le chat. Ouais, il y a tout, prends. J'ai rien gardé, hein. Bon, t'as vu, c'est dans la maison. Mais ma foi, c'est bon, tu peux venir les récupérer, c'est pas... Je sais pas, il y a tout dans le sac. Je me rappelle pas de je sais pas. Je sais pas. Regarde dedans, peut-être sous les habits ou quoi, je sais plus. Mais je l'ai mis dedans, je sais pas. Allez, s'il te plaît, arrête. C'est bon, j'ai pas envie. S'il te plaît, c'est bon, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je te dis qu'il y a pas. Ouais, et après? Tu le vois? Et après? Et après? Tu le vois? Bah, il doit être dedans, je sais pas où il est. Retrouve-le! Je l'ai pas. Je sais pas où il est. Je sais pas, je l'ai oublié. Allez, s'il te plaît. Ah, tu es en train de casser. Bon, vas-y, s'il te plaît, maintenant. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est bon. C'est bon, s'il te plaît. Allez. Je sais pas où il est, je sais pas où il est. Oui, viens, viens. Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, lève tes mains, hein, trou du cul, lève tes mains. Lève tes mains. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Y'a un problème? Mais pourquoi tu pousses? Y'a un problème, tu crois que tu pousses? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi? Tu sors. Vas-y, viens avec moi, Sabine, viens. Tu vas faire quoi? Attends, cherche un peu. Déjà. Pourquoi tu bégayes? Tu allais faire quoi? Et on a récupéré mon chargeur. C'est tout. Ah, c'est tout? Donc, je sais pas pourquoi tu viens. J'ai filmé depuis l'heure. Et alors, déjà, pourquoi tu filmes? Ah, mais frère. D'où vous sortez toi? Tu veux quoi? Tu veux sur place ou quoi, frère?
Déjà, tu peux voyager avec une femme, on cule sur place. Tu veux quoi, frère? Culer pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Écoute, je vais te parler simplement et si tu continues à faire le nerveux, frère, on va baisser la caméra. Okay. Là, depuis tout à l'heure, tu es filmé, frère. C'est Sabine qui nous a dit que tu allais venir parce que tu es quelqu'un de... Voilà. Déjà, pourquoi tu appelles? Pourquoi tu les appelles? Qu'est-ce qu'il y a? Parle avec moi. Tu es un homme, tu parles avec moi. Je te parle. Voilà, pourquoi tu fais le voyou avec elle? Fais le voyou avec moi. Fais le voyou avec un mec. Fais pas le voyou avec une femme. Mais c'est pas une question de voyou. Je veux juste récupérer mes affaires, c'est tout. Donc là, pour toi, faire ce que tu as fait là, c'est normal. C'est pas grave. J'ai rien fait de chaud, tu vois. Oui, mais c'est normal, d'habitude j'ai fait pire que ça. Donc là, tu ne fais rien. Tu m'as juste pris par le coin, là. Ne parle pas mal à elle. Parle-moi mal à moi. Tu as un truc à dire, dis-le-moi à moi. Dis-moi, ferme la gueule comme tu as dit à elle. Tu vas voir, moi, comment il y a du répondant. Ça va aller très vite. Vas-y, dis-moi-le à moi. Ça va aller très vite. Ouais, j'ai pas envie. Ah, t'as pas envie. Eh ouais, t'as pas envie. Bon, tiens, récupère tes affaires déjà. À qui tu parles? Bon, arrête. C'est bon, les menaces. Je vais te rendre ton sac, tu vas venir avec nous. Ah, tu vas faire quoi? Tu vas me prendre le sac, moi? Vas-y, prends-moi-le, moi. Prends-moi-le. Vas-y, fais comment tu fais. Ouais, garde ton sac. Non, je vais pas le garder, je vais te le rendre. Tu vas venir avec nous, sinon on va aller au commissariat. Alors, tu as quoi à faire là? Vous rentrez tranquillement, d'accord? On vous appelle après et on vous dit ce qu'on fait avec lui. Merci. Tu vas bloquer son numéro et tu vas arrêter de la harceler. Tu as compris? Ouais, tu ressens rien du tout, tu es pas violent. Vas-y, allez. Ça va faire quelque part. Expose ta vie, la mongolienne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux garder les affaires si tu veux. Non, mais je m'en fous de tes affaires. Qu'est-ce qu'on fait? On va au commissariat? On y va ou pas? Je préfère éviter mon personnage. Ah, tu préfères éviter? Et tu crois que la fille que tu frappais, tu crois qu'elle préférait pas que. Éviter que tu la frappes? Je la frappe pas. Tu la frappes pas? On va au commissariat, j'amène les images, je fais quoi? Tout de bon. Je préfère éviter. Je vais m'assurer. Tu vas prendre ton téléphone là. Tu vas bloquer son numéro, tu vas supprimer son numéro, d'accord? Tu vas tout faire. Si, écoute bien ce qu'on va faire. Si jamais elle nous rappelle en nous disant que tu l'as essayé de la contacter ou quoi, on va au commissariat avec ces images là, d'accord? Par contre, ne crois pas que c'est fini. Ne crois pas que c'est fini. Ça va pas s'arrêter là. On va pas aller au commissariat, mais tu vas venir avec nous. Parce que on va trouver un arrangement, toi et moi. Qu'est-ce que t'entends par arrangement? Tu vas voir ce que c'est un arrangement. Donc les amis, là on a trouvé une solution pour pas aller au commissariat. Alors je tiens à dire avant toute chose que le monsieur à côté de moi, le mec, était consentant, était d'accord, parce que c'était sur ça qu'on allait au commissariat. Du coup j'ai pas trouvé mieux pour lui que ce déguisement là. Non mais tourne-toi qu'on voit tout bien, voilà. Il a une queue sur le doigt les plus grandes que lui. On lui a attaché les mêmes, bien sûr, pour pas qu'il se l'enlève. Et du coup, maintenant, tu vas rentrer à la maison comme ça, hein? Donc, je te le répète, hein, tu t'enlèves pas ça, d'accord? Je veux que tu rentres avec. Et si tu l'appelles encore, si tu la harcèles ou que tu fais quoi que ce soit, elle nous le dit. Et les images qu'on a là, on les amènera au commissariat. T'as compris? Ok. Ah, tu veux pas taper les images. Allez, ciao. Les hommes avec les femmes. Il a eu honte, il est parti de l'autre côté. Parce qu'il a vu les filles qui allaient jeunes, tout qui le regarde. Il a honte, tu vois. Bon les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes victime de violence conjugale ou si vous en êtes témoin, n'hésitez pas à appeler la police, d'accord? N'essayez pas de régler les problèmes par vous-même. Même si des fois, la justice est lente, mais il vaut mieux porter plainte. N'ayez pas peur de porter plainte. N'ayez pas peur de quitter la personne si elle vous fait du mal. Et franchement, surtout, n'hésitez pas à appeler qui il faut pour que ça s'arrête. Et n'hésitez pas aussi à divorcer, tout ça, parce que quand ça va pas, si un homme vous lève la main dessus, c'est qu'à un moment donné, il faut dire stop. Voilà, faut savoir dire stop. Je mets un numéro vert pour les femmes battues spécialement pour elles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et en ce qui nous concerne, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne secondaire. C'était Kamoff. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.